Bonsoir à toutes et à tous. Désolé de ne pas être avec vous ce soir physiquement, mais je vais vous présenter en quelques minutes ma participation pour le concours du club Power BI. Alors, cette participation s'intitule Power BI avec 3 R. 3 R comme finalement les trois utilités qu'on va pouvoir trouver au langage R dans Power BI. Et le petit défi personnel que je me suis donné, c'est de finalement d'utiliser le moins possible Power BI, les fonctionnalités natives, on va dire, mais d'essayer de tout faire avec le langage R. Alors passons tout de suite sur le fichier Power BI Desktop. Le point de départ, bien sûr, c'est d'aller chercher de la donnée. Et ici, donc, on va utiliser le connecteur qui nous permet d'aller écrire directement du script R. Alors, je vais vous montrer dans l'éditeur de requête le script, enfin, ou les scripts même qui ont été utilisés ici. Voici l'éditeur de requête. Nous aurons une table principale alors qui va chercher de la donnée. Voilà, quelles sont les données sources que j'ai choisies ici? Ce sont les logs de connexion de téléchargement des packages R depuis le site du crâne. Donc vous voyez ici une liste de fichiers. Alors ces fichiers sont au format CSV, mais sous forme d'archives en TARGZ. Donc le but du jeu est d'aller récupérer ces fichiers et de les importer dans Power BI pour les analyser par la suite. Afin de réaliser quelque chose de plutôt léger en termes de données, j'ai paramétré ici une requête de téléchargement de ces fichiers entre deux dates. Donc first date, last date ici sont des paramètres, donc ici des fonctionnalités propres à Power BI. Nous aurons besoin de tables de dimension pour expliciter les différentes données. Donc une dimension date ici qui est créée également en langage R. Donc je crée ici tout simplement une séquence de dates, c'est-à-dire une suite continue de dates entre mes deux bornes. De même pour une dimension sur les heures et une dimension géographique ici, où je suis allé web scraper, donc je suis allé ré récupérer un tableau sur ici la page tout simplement Wikipédia des normes ISO autour des codes pays. Donc vous voyez la page Wikipédia. Et à partir de là, je récupère avec du code R une table de données qui va me servir à l'intérieur de mon modèle. Voici le modèle tout simple en étoile. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir réaliser ensuite à partir de ces données? Et juste pour terminer sur l'import de données, je fais le focus sur une fonction ici qui est très intéressante, puisque vous avez vu que les fichiers sources étaient zippés. Donc on va en fait dézipper à la volée les fichiers une fois qu'ils sont importés. Alors, premier élément descriptif, et ici c'est tout de même un tableau propre à Power BI. Je suis allé récupérer, construire en tout cas ici l'URL qui fait le lien avec chaque fichier d'aide des différents packages. Donc voilà une fonctionnalité qui me permet d'obtenir un lien hypertexte vers l'aide de chacun des packages ici classés par nombre de téléchargements. Une carte géographique, alors là vous ne reconnaissez pas les cartes traditionnelles de Bing Map. Ici je suis allé coder cette carte en R avec un package qui s'appelle WorldMap. Le code est disponible à chaque fois sous le visuel. Autre type d'exploitation intéressante avec R, hein, on va bien sûr pouvoir construire des graphiques relativement classiques. Hein, ici un line chart, une courbe d'évolution du téléchargement au cours des 24 heures d'une journée. Ici, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir vraiment faire appel à toutes les fonctionnalités d'une librairie graphique très connue qui est ggplot2, en tout cas enfin, très connue dans le monde du développement R, donc ggplot2 ici, qui va nous permettre de réaliser par exemple une heatmap ici toujours sur le téléchargement ici du top 20 par exemple des packages dans le temps. Si on va chercher le langage R, c'est parce qu'on a souvent des besoins d'analyse un peu avancés. Alors, vous allez me dire, l'analyse, on peut la faire au travers de Power BI, par exemple ici avec du clustering sur un nuage de points. C'est une fonctionnalité qu'on trouve nativement dans Power BI, qui est malheureusement limitée en termes de nombre de variables. Donc, l'avantage ici, quand on va écrire du code de clustering directement dans le visuel, c'est de pouvoir récupérer les résultats d'une fonction, par exemple ici d'un algorithme de classification non supervisée qui s'appelle le K-means. Je vais donc ici découper, hein, créer une segmentation de mes différents packages et je vais pouvoir la récupérer au moyen de graphiques d'analyse ou au moyen à nouveau d'un scatterplot, d'un nuage de points.